aucune tornade ne peut me rattraper. Je suis Sam d'Acier. Hein? Un volcan? Comment faire? Je ne peux pas reculer. C'est le moment de faire appel au Deltaplan Astro Rocket Mega Blaster. Sam d'Acier est propulsé comme une fusée. Dans les airs comme sur Terre, rien ne l'arrête. Oh, j'adorerais être à sa place. Ricky, tu peux venir, c'est une urgence. Quoi? Une urgence? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tornade, un volcan en éruption, les deux à la fois. Sérieusement, c'est ça ton urgence? On nous a demandé de fabriquer un cerf-volant à l'école. Et j'y arrive pas, donc c'est un peu une urgence. Ah bon, d'accord. C'est quoi le problème? Bah, ça se voit pas. Qu'est-ce que c'est censé faire, un cerf-volant? Ben, voler. Exact. Et justement, ils volent pas. En plus, je voudrais qu'il soit rose. J'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Tu pourrais aussi m'aider à le peindre. Toute, je viens d'avoir une super idée. C'est vrai, oh merci Ricky, t'es le meilleur grand frère du monde entier. Ne pas ralentir, toujours foncer, jamais s'arrêter. Comme tu me l'avais demandé. Ah bon? C'est ce que j'avais demandé. Halt! Vous n'êtes pas autorisé à approcher. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi mon cerf-volant il est méchant avec moi? Mais non, il dit toujours ça. Allez, viens! Tu dois apprendre à le faire voler. Tu vois, il suffit de s'entraîner. Regarde bien comment je fais. Personne ne peut arrêter Sam d'Acier! Tu vois, tu vas avoir le plus beau cerf-volant de l'école! Oui, peut-être, une fois qu'on l'aura peint en rose! Il est à qui ce cerf-volant, hein? Il est à toutes! Waouh! Wow, il est trop classe! Ouais, toute. Génial! Merci! Ricky m'a un petit peu aidé! Est-ce qu'il ressemble à l'Astro Rocket Mega Blaster de Sam d'Acier? J'ai des lumières et une antenne qu'on pourrait attacher dessus! Et s'il y avait des ailes recouvertes de flammes, ce serait trop bien! Enfin, pas des vraies, hein! Des flammes peintes! Bof, je sais pas trop! Je voudrais surtout qu'il soit rose! Oh, allez, Toot! T'as pas envie qu'on l'améliore encore? Tous avec moi! Vous allez le peindre en rose? Ricky! Il va être aussi bien que celui de Sam d'Acier. Il va aller aussi terminer. Fusée. Vous passez à la suite. Vous êtes sûr de vous? Hé, oh, Ricky! J'ai trouvé de la peinture rose. Toute, tu ne vas pas en croire tes yeux quand on aura terminé. J'en crois déjà pas mes yeux. Regardez, il reste des pneus ici. Attendez là, à quoi ça sert de mettre des roues à un cerf-volant? Tu vas voir, tu vas adorer. Et Toute, tu sais ce qu'on pourrait aussi fabriquer? Une rampe de lancement, comme celle de Sam d'Acier dans la BD. Comme ça, tu pourras t'envoler toute seule sans l'aide de personne. Et est-ce qu'elle sera rose, cette rampe? Elle adore mon idée. Venez, on va la fabriquer. Et voilà, ça te va comme ça? Attention au décollage. On se croirait dans un film de Sam d'Acier, sauf que là, tout se passe pour de vrai. Attention, vous n'allez pas en croire vos yeux. Qu'est-ce que t'en dis, Toute? Tu vas voir, ta maîtresse va te donner la meilleure note. Halt! Vous n'êtes pas autorisé à approcher. Où est la corde pour le diriger? Justement, c'est ce qu'il y a de génial avec ce cerf-volant. Il n'y a plus besoin de ficelle. Oh! Tu vas t'envoler avec, c'est encore mieux. Comme si t'étais Sam d'Acier. Mais j'ai pas envie de m'envoler. C'est le cerf-volant qui doit s'envoler, pas moi. T'inquiète, c'est pas compliqué. Tiens, regarde, je te montre. Sam d'Acier, prêt à passer à l'action? Sam d'Acier, toujours prêt à passer à l'action. Oh, il parle exactement comme lui. Toute, regarde bien pour refaire la même chose à l'école. Allumage des réacteurs.
choses incroyables. Mais alors ça, c'est le top du top. Mais quelle est donc cette moto dans les airs? Sam! Il nous sert volant pour l'école alors. T'inquiète pas, je reviens bientôt. Je devrais quand même rapporter le cerf-volant à ma sœur. Allez, encore une minute. Alors voyons, qu'est-ce que Sam Dacier ferait à ma place? Au secours, je vous en prie, aidez-moi! Il aiderait. Voilà ce qu'il ferait à ma place. C'est parti! Aileron, viseur, gadgets, allez boum! Il y a une crevasse qui m'empêche de passer. C'est une catastrophe, la pire chose qui puisse arriver à une moto. Je rêve. Est-ce que c'est Sam Dacier? Action! C'est votre rayon anti-gravité, monsieur Dacier? J'y crois pas, Sam Dacier me soulève avec son rayon anti-gravité. C'est un miracle, la plus belle chose qui ne me soit jamais arrivée. Dites-vous. C'est terminé. Merci, Sam Dacier. Oh, génial, je suis allée pile là où il fallait pas. Sam Dacier patrouille dans la ville. Si quelqu'un a besoin d'aide, il sera là pour le secourir. Ricky, mais où est-ce que t'es passé? J'aurais dû être clown de cirque. Mais non, je devais être agent de police. Hein? C'est quoi ça? Oh, dites-moi que je rêve. Agent Bunker au rapport. J'ai un code. Un code? Oh, il n'y a pas de code pour ça. Mais c'était Sam Dacier. Si vous avez besoin d'être aidé, faites appel à Sam Dacier. Roulez le moteur. Non, il faut vite que je revienne. Complètement cassé. On peut facilement le réparer, hein, les amis? Ouais! Laisse tomber, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus envie d'un cerf-volant? J'ai jamais eu envie de ce cerf-volant. Tout ce que je voulais, c'était mon cerf-volant. Mais celui-là, il est 10 fois mieux. C'est même plus un cerf-volant. T'as rien écouté de ce que je t'ai demandé. Je le voulais rose et tu l'as peint en rouge et orange. Je t'ai dit que ma couleur préférée, c'était le rose. Ah!
Mais de celui de toutes. Ok, tu veux qu'il soit rose. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il a une queue avec des nœuds papillons et il vole super bien. C'est moi qui l'ai dessiné toute seule. Mais mon grand frère et ses amis m'ont aidé à le fabriquer. Je vais maintenant vous faire une démonstration. Reculez, s'il vous plaît. Génial! Il vole encore mieux que celui de Sam d'acier. J'ai pas besoin de Sam d'acier. J'ai déjà un héros à la maison et c'est mon grand frère. Dépêche-toi, toutes, ou on va le porter à l'école. Allez! Tu te rappelles ce qu'il faut faire? C'est pas la première fois que je traverse la rue, Ricky. Je sais qu'il faut regarder à gauche et à droite. Oh, oh non, la cloche va bientôt sonner. Mais t'inquiète pas, tu sais ce que je fais dans ce cas-là? Waouh! C'est pas compliqué. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bailey. Vous avez dû remarquer que notre école aurait besoin d'un agent devant le passage piéton. Oui, tout à l'heure j'ai failli me faire rouler dessus en voulant traverser. C'est pas drôle, ça m'a fait super peur. Et c'est tout naturel, DJ. Fort heureusement, j'ai trouvé une solution. C'est moi qui serai l'agent de sécurité scolaire. Mais j'aurai besoin d'un assistant. Un volontaire de votre classe. Voyons, j'imagine que l'un de vous aurait très envie d'être mon assistant. Et vous? Approche, rejoins-moi sur l'estrade. Hein? Loup! Désolée, mais elle parlait de moi. Ah, pas du tout, Ricky. Elle parlait de moi. Oh, quelle chance, n'est-ce pas, Vroomtastic? Nous avons deux volontaires. Je vais donc vous faire passer quelques épreuves. Nous allons voir lequel de vous sera le mieux placé pour m'assister. Des épreuves? Je comprends pas. Pourquoi tu veux aider les autres à traverser? C'est mon truc de sauver les autres et de les protéger. C'est pas le tien. Et pourquoi pas? Moi aussi j'aime bien aider les autres. En plus je peux faire ça. Ah ouais. Et ben moi, je peux faire ça. Gras bisous, action. Moi aussi, c'est juste que j'en ai pas envie, c'est tout. Ça y est les amis, voilà Madame Bailey. Quel que soit le gagnant, vous serez toujours amis après ça, hein? N'est-ce pas? Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi on le sera plus? Oh, je le savais. Alors il n'y a aucun problème. Que le meilleur gagne. Première épreuve, faire traverser les petits en toute sécurité. Prêt? Prêt. Allez, vas-y nous. Vas-y, Ricky! Allez, on se dépêche! Plus vite, plus vite! Accélère! Oui, bravo! Super, Ricky! À toi de jouer, Lou! Tu es prêt? Allez, suis-moi! Attention, tu mets des roues! Allez, c'est parti! Qu'est-ce que t'attends? Plus vite, dépêche-toi! Plus vite! Attention! Petit boss? Grande boss? Youpi! Excellent travail! Deuxième épreuve, l'arrêt d'urgence. Stop! Stop! Dernière épreuve, le slalom. Allez,
J'avais jamais vu une moto jeter des plombs en l'air comme ça. C'est parce que t'en as jamais vu aller aussi vite. C'est bien la preuve que je suis meilleure pour faire traverser les enfants. Laisse-moi rire. T'es trop marrant, Ricky. Si toi t'es le meilleur, alors moi je suis le meilleur des meilleurs. Je suis sûre que t'arrives pas à faire ça. Peut-être. Mais moi j'ai des plus beaux enjoliveurs que toi. Ouais, et ben moi je suis bleu, paf, dans tes roues. Ils ont bien dit qu'ils resteraient amis, hein. Parce que j'ai un doute. Bien sûr qu'ils resteront amis, il le faut. Hey, c'était là avant toi, je te signale. C'est ça dans tes rêves, oui. Allez, vite, les retardataires, on n'attend plus que vous. On se dépêche, à vos places. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai choisi mon assistant, l'élève qui va m'aider à faire traverser les enfants. Ce fut un choix difficile. Les deux candidats ont obtenu de très bons résultats. Mais il y en a un qui a fait mieux que l'autre. Est-ce que son nom commence par la lettre Loup? Laisse parler la maîtresse. Préparez-vous à accueillir sous un tonnerre de klaxon mon assistant à la sécurité des élèves, Loup. Oui. Hein? Quoi? Allez, Loup! Allez, Loup! Wouhou! Je commence aujourd'hui. Je crois que c'est clair, Loup n'a pas loupé ses épreuves. Mais comment c'est possible? J'étais deux fois plus rapide, c'est pas normal. Je suis désolée, Ricky. Le plus important, ce n'est pas de faire traverser les enfants en vitesse, mais en sécurité. Tu pourras réessayer la prochaine fois. Oh, tu te serais très bien débrouillé, Ricky. Mais c'est aussi très bien que ce soit Loup. Oui, c'est bien, Loup. Continue. Franchement, il fait un super travail avec les enfants. Madame Buckley peut vraiment compter sur lui. Un super travail? T'es sérieuse, là? Est-ce qu'à tout hasard, tu serais pas un peu... Tu vois quoi? Je veux dire un peu beaucoup. Jaloux? Jaloux? Moi? Tu penses que je suis... jaloux? Carrément. Ouais. Oui. Carrément. Eh bien... oui, je suis jaloux. Ça y est, ils arrivent. Oh non, on l'a sorti de la carnet. Oh là là, ça m'étonnerait que Loup puisse gérer ça. Il y a des jours où j'attends de sortir de l'école rien que pour éviter de les croiser. Ils me rendent fou. Salut Loup. On se calme. Regardez Madame Buckley, elle a l'air complètement dépassée. Voilà ce que je voulais éviter. Je vais m'occuper d'elle. Loup, tu veux bien aider les autres à traverser, s'il te plaît? Oh, qu'est-ce que vous avez à sauter partout? Hein? Hé, hey, revenez! Écoutez-moi! Pour traverser, on se met en rang. Deux par deux. C'est pas ce que j'appelle se mettre en rang. Oh, désolé, je vous demande de rester calme. Toi aussi, Lupin, reste calme. T'as pas peur, t'as pas peur. Il est en train de paniquer. Je sais ce qu'il faut faire. Quand un ami est en difficulté, on fonce et on va l'aider. C'est pas grave si lui et moi on s'est disputé. Ricky, à la rescousse. J'arrive. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez. Mettez-vous en garde à vous. Je veux dire en garde à vous. Deux par trois ou trois par deux. Ça suffit maintenant. Préparez-vous à traverser. Allez vite, on se dépêche. Je veux dire, prenez votre temps. Doucement pour qu'il n'y ait pas d'accident. Allez en rond. Ricky, tout semble plus simple d'un seul coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, Loup.
T'es sûr? Mais comment? Parce que je commence à me dire que j'y arriverai jamais. Toot, tu te rappelles ce que tu m'as montré ce matin? Ah, quand j'ai sifflé, bien sûr que je m'en rappelle. Oh là là, si t'avais vu ta tête, c'était trop marrant. Tu peux recommencer? Quand tu veux, c'est trop fastoche pour moi. Ouais, merci Toot. Vas-y Loupe, passe en premier. Je me mets en dernier, on va faire traverser tout le monde. En avant les enfants. Oh, si je m'attendais à ça. Ricky et Loupe, je suis très impressionnée. Oui, ouais. Génial, on a été trop forts. Oui, bravo, t'as fort. Surtout Loupe d'ailleurs. Oui, vous pouvez être fiers de vous. Tout bien réfléchi, notre école pourrait disposer de 2 élèves pour faire traverser les autres. Qu'en dites-vous, Ricky, Loupe? Oh, génial. Allez, vas-y, top les roues. Roule pour un et roule pour tous. Mais si on fait ça tous les jours, on va être obligé d'apprendre quelque chose de très important. Comme ça. Attends, je vais essayer. Personne ne s'arrêtera si vous sifflez aussi mal. Regardez bien ma bouche. Ah, c'est incroyable. C'est vrai, comment une petite moto comme elle arrive à siffler avec autant de force? Ah, j'y étais presque. Cette fois, c'est la bonne. Moi, si j'entends ça, j'accélère. Où tu vas comme ça, Mécanoc? Tu as peut-être réussi à échapper à la prison, mais je te promets que tu n'échapperas pas au grand Sam d'acier. Oups, il a réussi à filer. On n'échappe pas à Sam d'acier, Mécanoc. Dans tes rêves, Sam en carton. Monsieur Sam en carton. Sam, aide-moi! Allez, Mécanoc, fais marche arrière. Mais j'ai peur, Sam. J'y arriverai jamais. Oh, que si, tu vas y arriver. Avec la motocommande dernière génération de Sam d'acier, tu peux arriver à faire tout ce que tu veux. Mécanoc, fais marche arrière. J'arrive en marche arrière. La motocommande du grand Sam d'acier fonctionne à merveille. Elle oblige Mécanoc à faire exactement ce que je lui ordonne. Je ne pensais pas te dire ça un jour, mais merci. Plus jamais je ne sèmerai la pagaille dans la ville. Oh, trop cool! Oh, oh, oh. Ricky, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, j'ai essayé de faire comme Sam quand il fait ses cascades super classe. Ah ouais, d'accord, tu jouais à Sam d'acier. Je peux jouer avec toi? Regarde ce que je sais faire. Wouh! Alors, j'arrive bien. Ouais, pas mal toutes. Allez les enfants, il est temps d'y aller. Tu viens, Ricky? On va jouer à Sam d'acier avec tes amis. Hé, Pepep, tu vas où comme ça, Mécanote? Ouais, sauf que tu dois pas, rester avec papa et maman. J'ai invité mes amis pour jouer, mais t'es encore trop petite. Vous allez jouer à quoi? Laisse-le, Toot. Il faut bien qu'il s'amuse un peu avec ses amis. Tu joueras avec lui plus tard. Merci, maman. Et vroom. Sam sort un bois.
moitié et dit « Avec ma motocommande, je peux lui faire faire tout ce que je veux !» Et Mécanoc a fait exactement ce que Sam lui a demandé. Oh, wow, trop cool! Vas-y, raconte-nous tout! Mais nous dis pas la fin surtout! Ouais, mais quand même, raconte-nous tout! Et vous savez ce que Mécanoc a dit? Plus jamais je ne sèmerai la pagaille dans la ville! Et là, ça m'a souri et... Toute! Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut les copains! C'est trop bien, on va jouer tous les cinq à Sam d'acier! Toute, tu te rappelles ce qu'a dit maman? On jouera ensemble plus tard! Mais ça y est, on est plus tard! Non, plus tard que ce plus tard-là, d'accord? D'accord, plus tard. Je peux attendre plus tard, je suis habituée moi, c'est toujours ce qu'on me dit. Plus tard, toute. Donc je vous disais que la motocommande de Sam était un super... trucage, un appareil qui permet de contrôler les motos à distance. Ça n'existe pas. Ouais, dans les films ils font semblant, mais en fait c'est pas vrai. Je sais ça depuis que j'ai au moins 7 ans. Et là t'as quel âge? Bah 7 ans. Oui, vous avez sûrement raison, mais ce serait pas génial si ce genre de choses existait pour de vrai? Eh bien en fait... Quoi? Pendant que vous discutiez, j'ai cherché ce gadget dans la base de données. Et j'ai trouvé cette motocommande. Oh, wow! Scootio, écoute-moi bien. Il faut qu'on essaye d'en fabriquer une. Si on y arrive, on changera le monde. Et si on n'y arrive pas, ben c'est pas grave. Au moins, on se sera bien amusé. Comme ça? Oui, t'as bien dessus avec le marteau. Voilà, hein? C'est bon. Je vous présente... la motocommande. Waouh! Et pourtant il disait que ce n'était pas possible. Qui ça? DJ et toi? Ah ouais. Parfait. Alors, qui veut se faire télécommander? Non, sérieux? Personne veut essayer? J'arrive même pas à me contrôler moi-même. Alors je vois pas comment vous pourriez y arriver. Moi je veux bien essayer. Toutes? Ça te dérange pas d'être télécommandée? Bah ça dépend. Est-ce que ça veut dire que je vais jouer à Sam d'acier avec vous? Oui, mais Je suis une motoriki, j'ai même pas peur. Cool, toute. Ouais, c'est génial. C'est très courageux. Oui, je sais, je sais. D'accord, alors c'est parti. Toute, fais une marche arrière. Je suis en train de la faire, là. Fais une marche arrière. Oh, ta motocommande ne commande pas grand-chose. Même pas les motos. C'est ma faute, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas de ta faute, DJ. On dirait qu'elle ne fonctionne pas, c'est tout. Oh, bon, au moins on aura essayé. À plus tard, toutes. Hein? Vous partez déjà? Mais... Attends, Ricky, j'avais laissé mon frein à main. C'est peut-être à cause de ça. Vas-y, réessaye maintenant. Écoute, ça m'étonnerait que... S'il te plaît, Ricky. D'accord. Fais une marche arrière. Je fais une marche arrière. C'est bon, je m'étais pas trompée. Ça fonctionne. Oh, punaise, j'y crois pas. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire qu'ils y croient. Laisse-moi essayer. Vas-y, toute, plus vite. Je roule plus vite. Lance-nous la motoballe de DJ. Je vous lance sa motoballe. J'adore, c'est génial. Est-ce que ta sœur peut continuer de jouer avec nous? Ouais. Bien sûr. C'est bon pour toi, toute? Oui. Je sais pas pour vous, mais je commence à avoir faim. Tu pourrais aller nous chercher à manger? Je vais chercher à manger. Je vais aller où? Et acheter quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme endroit? Oh, la pizzeria! Je vais chercher des pizzas. Elle est partie où? Toute! Je parie qu'elle est allée chercher des pizzas. Hein? Mais elle est beaucoup trop petite. Elle n'a pas le droit de rouler toute seule dans la ville. Venez, faut la rejoindre. La moto
l'autocommande pourra peut-être l'arrêter. Toot, arrête-toi. Ouais, ben, on dirait que ça marche pas. C'est sûrement parce qu'elle est trop loin. Oh, voyez le bon côté des choses, on va manger plein de pizzas. Loup, comment tu peux penser à manger des pizzas quand ma sœur est en danger? J'en sais rien. Comment toi tu fais pour pas y penser? C'est par où la pizzeria? Accepter depuis le début. Tu te débrouilles pas mal avec tes deux roues. Pas mal? Tu plaisantes ou quoi? Vous avez vu la super cascade qu'elle nous a faite? Ouais, bientôt on l'appellera la grande toute d'acier. Hey, et si on commandait la pizza préférée de Sam d'acier, hein? Oh, trop cool! Reviens jouer avec nous quand tu voudras, d'accord? Toute, mange de la pizza. Je mange de la pizza. Ha 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 ha!